bien mélangé, et puis là, oui. Et dans le temps, les sucres, ils n'étaient pas comme ça, c'était du sucre. Et comme le rencontre, on interdit le fenouil. Le fenouil, on en mange en poisson, on en mange partout. Mais le rencontre, on interdit dans la rue. Je suis au courant du mythe. Au début, je me disais, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est enfoui dans l'absinthe? J'aimerais bien savoir, etc. Et je suis pas devenue folle. La base, au départ, c'est l'espèce d'interdit qu'il y a eu, avec toutes les légendes qu'il y a eu autour de ça, les histoires qui ont pris des ampleurs, pas possible, c'est ça qui attire les gens. Et en plus, les histoires avec les poètes, tout ça, voilà, bon, c'est un peu, c'est la légende qui attire les gens vers l'absinthe. Ouais. Oh, bien sûr, il y a encore des gens qui disent mais c'est autorisé, c'est légal l'absinthe, c'est autorisé. Il y a des gens, ils savent pas. Hein. Je vais sortir un petit peu. Le mythe de l'absinthe a fait qu'on l'a bien sûr oublié puisque c'était interdit. Mais ce produit est tellement complexe, tellement fruité, tellement complexe, qu'il aurait été dommage de ne pas le relancer. Et quand on est tombé sur des vieilles bouteilles d'absinthe que l'on a dégustées, et quand on a goûté cette explosion de saveurs, cette complexité, on s'est dit qu'on devait relancer l'absinthe. J'ai choisi de prendre la recette la plus difficile, la plus complexe. C'est-à-dire qu'on va mettre toutes ces plantes ensemble dans l'alambic et on va distiller l'ensemble. Ce qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Beaucoup plus difficile d'obtenir un produit très harmonieux, très équilibré. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment la véritable recette de l'absinthe et un produit unique et authentique. Thank you.
Santé. Santé. Ce goût de plante inégalé. I really think that it does not make sense in France anymore to allow recipes that correspond exactly to the recipe of the absence in the 19th century and to still forbid the word absence just because it's a word. So it's more a psychological thing than anything else, but for the time being, you have a law dated 1915 that prohibits a product which contains nothing of any danger and the concentration, the alcoholic concentration of which is half of that of the red wine that is prohibited in our territory. That does not make the slightest sense. This one is not legal. Because it says au camp d'absinthe instead of saying that it's under 6.8, which is